Bonjour, on va continuer le cours, c'est-à-dire le chapitre calcul numérique et les opérations dans R pour la troisième vidéo. Donc on a déjà vu les chapitres précédents, maintenant on va voir un autre chapitre qui s'appelle les puissances. Et les puissances, vous avez déjà vu en l'année dernière, mais on va faire un rappel. Parce que ces puissances sont très importantes pour vous. Donc, le premier paragraphe, c'est la puissance. Puissance 2 de 10. Puissance et puissance de 10. Donc, propriété. Soit AB dans R. Et N appartenant à N, c'est-à-dire N c'est un entier naturel, et M aussi c'est un entier naturel. On a A à la puissance 0 est égal à 1. C'est ça, c'est par convention. A à la puissance 0, c'est 1. Ça, c'est la première. La deuxième, A à la puissance 1, qui est égal, c'est 1. C'est A. C'est toujours A. Troisièmement, A à la puissance N, qui est égal, c'est A fois A fois A fois A. C'est-à-dire, on a N fois A. N fois A. A. Quatrièmement, c'est A à la puissance moins N qui est égal, c'est 1 sur A à la puissance N. À la puissance N. Maintenant, soit A et B deux réels dont on va le mettre, c'est R étoile. C'est ça, c'est R étoile. Parce que 0 à la puissance 0, ça n'a pas de sens. Hein. C'est pour les puissances, on commence à la puissance 0, c'est pour les nombres IL non IL. Donc ça qui est égal. Et la cinquième propriété, A à la puissance N fois A à la puissance M qui est égal. C'est-à-dire les exposants sont différents. C'est A, on fait la somme des exposants, c'est ça. Sixièmement, A à la puissance N, le tout à la puissance M. Ça, c'est les exposants, mais on a ici l'exposant de l'exposant. C'est A à la puissance N fois M. Donc, on a la propriété 5, la propriété 6 et la propriété 7. C'est A. A sur B à la puissance N, qui est égal à A à la puissance N sur B à la puissance N. 8. C'est A à la puissance N sur A à la puissance M, qui est égal à A à la puissance N moins M. On peut l'écrire aussi, c'est 1 sur A à la puissance M moins N. C'est ça. Et pour cette donc, on va faire des exemples. Exemple d'application. Exemple. 2 à la puissance 4 fois 2 à la puissance 3. C'est-à-dire qu'elles ont même base, mais les exposants sont différents. Et donc on va appliquer 5. C'est 2 à la puissance 4 plus 3. C'est 2 à la puissance 7. Ici, on va mettre 2 à la puissance 4, par exemple, à la puissance 3. C'est 2. On va appliquer ici, c'est la puissance. C'est 2 à la puissance 4 fois 3, qui est égal, c'est 2 à la puissance 12. Et on va faire un exemple d'ici. C'est, par exemple, 2... sur 4, 2 sur 3, par exemple, 2 sur 3, le tout sur O à la puissance 3, qui est égal, c'est 2 à la puissance 3 sur 3 à la puissance 3. Ça, c'est 8, et ça, c'est 27. Ça, c'est 27. À la puissance
On va mettre une application de 8, c'est par exemple 4, ou bien 6, 5. 5 à la puissance 4 sur 5 au carré, qui est égal à 5 à la puissance 4 moins 2, qui est égal à 5 à la puissance 2, qui est égal à 25. Maintenant, on passe à puissance de 10. Puissance de 10. Non. Puissance de 10. Soit n appartenant à n. On a ces définitions. Définition. 10 à la puissance n qui est égal si on écrit derrière 1, c'est n0. 0, 0, 0, 0, c'est 0. Ça, c'est n0. 10 à la puissance moins n qui est égal, c'est 0,0000 et etc. 0, c'est 1. Ici, on compte d'ici jusqu'à ici et on va aboutir, c'est n. C'est n0. C'est-à-dire, c'est pas des, on ne compte pas d'ici, c'est 0. Ça, c'est d'ici jusqu'à ici. Ça, ça c'est n0. Ça, c'est n0. Ça, ce sont les puissances de 10. Et on va faire un exemple. Exemple, c'est 10 exemples. 10 à la puissance 4 qui est égal à 1, 1, 0, c'est 1, 2, 3 et 4. C'est 4, 0. Par exemple, c'est 10 à la puissance moins 4 qui est égal à 0, 0, 0, 0, c'est 1. C'est-à-dire on a 1, 2, 3, 4, 4, 0. Ça y est, on passe au paragraphe suivant, c'est-à-dire l'écriture scientifique. Écriture scientifique d'un nombre. Écriture scientifique. D'écriture scientifique, et on va mettre ici tout nombre décimal positif, ça c'est définition, tout nombre décimal positif x, s'écrit sous la forme de A fois 10 à la puissance P avec A nombre décimal tel que A y compris strictement à 10 inférieur ou égal à 1 et P appartenant à Z. C'est ça l'écriture. L'écriture de A fois 10 à la puissance N s'appelle l'écriture scientifique de X. S'appelle l'écriture scientifique de
2x. Ça s'appelle l'écriture scientifique. Donc, tout nombre décimal, on va mettre un signe, tout nombre décimal positif, s'écrit sous la forme de a à la puissance, ça c'est a à la puissance fois 10 à la, a fois 10 à la puissance p. Avec a, attention, a est toujours compris entre 10 et 1. Et P appartenant à Z, cette écriture, c'est scientifique, l'écriture scientifique de X. Donc, on va mettre un exemple. Exemple. Exemple, c'est 0,008, qui est égal à 8 fois 10 à la puissance moins 4. C'est ça. C'est 8, il est compris entre 1 et 10, et ça, moins 4 appartenant à Z, c'est un entier relatif. Le deuxième exemple, par exemple 3, 4, 5, qui est égal, c'est 1,345 fois 10 à la puissance 3. Donc ça c'est A, et ça c'est N, ça, le tout c'est P. Ça c'est A, et ça c'est CP. Donc ça, c'est l'écriture scientifique, des nombres décimaux. Donc, il reste la dernière paragraphe, c'est la racine carrée. La dernière paragraphe, c'est racine carrée. Racine carrée. Racine carrée. C'est la racine carrée. Définition. La racine carrée de A s'écrit, alors son note, la racine carrée de A son note, ou bien noter son note comme ça, racine carrée de A son note comme ça, et le nombre positif est le nombre positif dont le carré vaut A. C'est ça. Donc c'est ça la racine carrée. Racine carrée. Exemple, la racine carrée de 25 est égale à la racine carrée de 5, le tout au carré qui est égal à 5. Racine carrée de 16 qui est égale à la racine carrée de 4, le tout au carré, c'est 4. Maintenant, on va voir quelques propriétés des racines carrées. Et on va terminer ce leçon. Propriété, soit AB de nombre de R.
de R, soit AB de nombre, soit A et B de nombre de R+. D'abord, ici, on va ajouter, parce que la racine carrée de A, c'est A positif. Étant A un nombre positif, on va mettre ici A un nombre positif. A, c'est un nombre, et c'est A. A, un nombre positif. A, un nombre positif. Parce que sur le radical, on n'est jamais mettre, les nombres négatifs. C'est-à-dire, on ne peut pas mettre comme ça, c'est moins 2. Ça, c'est une critère qui est fausse. C'est toujours, lorsqu'on met sur le radical, ça toujours doit être positif. Ça doit être positif. C'est pour cela, je vais maintenant prendre A et B dans R+. On a aussi, on a la racine de 0. La racine de 0, c'est 0. Hein? Mais pour les nombres négatifs, on ne peut pas le mettre sur le radical, sauf Si on le met le tout au carré, par exemple, moins 2, le tout au carré, c'est bon. C'est une écriture qui est juste. Moins 2, le tout au carré, qui est égal ici, ce qui est égal à 2. Mais pour les entiers négatifs, c'est non. Donc, la première propriété, c'est 1, c'est la racine de A au carré, qui est égal, c'est la racine de A, le tout au carré, qui est égal, c'est A. Il est positif, c'est le nombre réel positif. Deuxièmement, la racine de A fois la racine de B est égale à la racine carrée de A fois B. Troisièmement, la racine carrée de A sur la racine carrée de B qui est égale à la racine, on va le mettre en seul radical, c'est A sur B. Sur A, c'est B. Donc, pour ces propriétés, il est facile d'utiliser dans les exercices pour simplifier, par exemple, les expressions ou bien pour chercher une valeur demandée dans les questions d'exercice. Dans les questions d'exercice, et je vais mettre un exemple. Exemple ici. Exemple. Exemple, la racine carrée de 36 est égale à la racine carrée de 6 au carré, qui est égale à la racine carrée de 6, le tout au carré, qui est égale à 6. Qui est égale à 6. Ici, par exemple, si on prend un autre exemple, ici, c'est la racine carrée de 25 sur 16, qui est égale, c'est la racine carrée de 25 sur la racine carrée de 16, qui est égale, c'est la racine carrée de 5, le tout au carré, sur la racine carrée de 4 au carré, qui est égale, c'est 5 sur 4. C'est ça. Et on a terminé ce chapitre. Espérons que vous avez compris et vous pouvez maintenant passer aux exercices que vous avez dans le livre. Et merci. Jusqu'à la prochaine fois, Inch'Allah, pour la deuxième leçon.